Salut pape, c'est la 85e lettre que je t'écris. Ça commence à me faire peur, tu sais. Écrire à quelqu'un qui n'est plus là depuis 4 ans. Un mort, quoi. C'est la première fois que j'utilise ce mot, mort. On nous dit que d'un côté il y avait le monde des vivants et que de l'autre c'était le monde des morts. Histoire de nous diviser. Bref, on ne peut plus communiquer. Et moi je fais quoi si j'ai envie de parler avec toi? J'ai ouvert l'une de ces pages dans lesquelles on dit tout, pour soi, quelque part dans le monde. Un blog. L'idée peut sembler complètement folle, mais c'est la seule que j'ai pu réaliser. Qu'est-ce qu'il y a? La cigarette. C'est ma fille. Nya. Blo ekis akhar, blo ekis. OK. Dis-lui I love you. À chaque fois que j'appuyais sur publier, je me sentais mieux, plus proche de toi. Un blog, plein de messages que tout le monde peut lire mais que tu n'as pas lu. Pourtant c'est curieux, mais du coup c'est comme si t'étais là. C'est comme si la famille était de nouveau réunie. Je te parlais, quoi. Tu étais vraiment là dans mes lettres. Un peu comme si tu étais juste en voyage, en Arabie, comme d'habitude. Mais rien n'était pareil. Les Noëls, les anniversaires, les moments en famille. Toutes les petites choses que tu faisais. Tous ces petits gestes que tu avais l'habitude de faire et que je ne remarquais plus. Je les revoyais devant mon écran. Décidément, tu n'étais plus là pour les faire. Il y a bien toujours quelques soirs où j'attends ton appel de 8 h, mais ce n'est plus la même attente angoissée. C'est plutôt un souvenir qui me fait sourire. Et à chaque fois que je ressentais cette absence, que je revenais à mon clavier pour te parler de moi, de mes peines, de tout et de rien, et aussi de toi. À chaque nouvelle lettre qui partait, c'était un peu de soulagement. Peu à peu, la clarté de la sortie du tunnel s'est approchée. Puis un jour, le sentiment d'avoir affranchi quelque chose. Ouais, tu peux le dire. Je me sentais mieux. Puis les lettres se sont espacées. Dire que je m'en voulais certains jours de tarder à t'écrire, toi qui ne peux pas me lire. Cette folie, je suis prête à la quitter, au moment de comprendre que tu es dans mon cœur. Voilà tout. Car après tout, te faut-il des lettres pour le savoir? Pape, je suis certaine que tu le comprendras. Ici s'achève ma dernière lettre. Bye. Bye.